Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme cet après-midi. Nous sommes mercredi, il est 14h et exceptionnellement, je vous avais prévenu, cette vidéo est donc pré-enregistrée, mais je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui vont garder le même rythme et bien sûr suivre cette vidéo en même temps, comme d'habitude, dès 14h. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous ne m'en voudrez pas. Nous avons vécu la semaine dernière mon 100e live. Et aujourd'hui, je vous propose donc la 101e vidéo, le 101e tutoriel. Et j'espère en tout cas que malgré mon absence et malgré ce pré-enregistrement, eh bien vous passerez quand même un bon moment à réaliser le projet que je vous propose aujourd'hui. Donc vous l'aviez vu déjà depuis samedi, puisque je vous propose la découverte du projet chaque samedi à 11h sur ma page Facebook et sur mon blog. Aujourd'hui, je vous propose donc une petite boîte triangulaire très très sympa à réaliser et on va retrouver notre compas d'antan pour réaliser un petit triangle, mais vous allez voir, ça sera vraiment très simple à réaliser. Je vais vous montrer bien sûr la collection que j'ai utilisée pour réaliser cette petite boîte, mais vous allez voir, encore une fois, elle va être très simple. Alors, c'est parti, je vous propose de retourner ma caméra et de vous présenter tout ça. À tout de suite. Alors, la fameuse petite boîte prisme triangle, vous allez voir, elle paraît compliquée comme ça, mais vous allez voir, elle est hyper facile à faire. Vous allez vous en rendre compte très très vite. Donc, voilà comment elle se présente. Voilà, la petite ouverture originale. Hop, deux petits aimants et ça tient. Nickel, donc c'est vraiment idéal, vous allez voir, trop simple à faire. Pour réaliser cette petite boîte, j'ai combiné en fait différents produits du mini catalogue. Donc cette première version, elle est réalisée avec la collection de papier imprimé Fan des Sports, qui est vraiment très sympa. Alors très américaine, bien sûr, mais avec la possibilité, vous voyez aujourd'hui, de l'adapter bien sûr à nos habitudes et puis à plein plein d'événements comme par exemple là, Bonne Fête Papa, c'est un petit peu en avance, mais on n'est jamais trop préparé, on est bien d'accord. Donc ici sur la présentation, vous voyez donc les papiers proposés en recto verso, d'accord, ils fonctionnent à chaque fois. Deux par deux, on est sur un paquet de papier de 30,5 par 30,5. Et si jamais vous avez votre catalogue sous la main, eh bien vous retrouverez la collection complète à la page 69. Et donc je vous disais, j'ai combiné plusieurs produits différents. Voilà, parce que l'obligation n'est pas faite de devoir forcément utiliser une collection dans son ensemble. Donc je l'ai associé avec ce set de tampons Talent de jardinier, pour lequel vous avez aussi les poinçons coordonnées, mais là les poinçons je ne m'en suis pas servi aujourd'hui. Et donc j'ai simplement utilisé donc une partie du Bonne Fête des Pères que j'ai combiné avec le petit papa. Je trouvais que c'était un petit peu plus affectueux. Donc voilà, le premier tamponnage ici en calico coquelicot et le papa en pointe pacifique, qui est un bleu que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise très rarement d'ailleurs, c'est un peu bête. Donc aujourd'hui j'ai eu envie de l'utiliser, c'est la base que j'ai utilisée pour cette boîte de présentation. Voilà, et donc vous remarquerez ici les petites étoiles, voilà, étoiles en résine qui sont aussi très sympas, qui changent vraiment et je trouve ça assez mignon. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour cette première version. La deuxième, vous vous en doutez, sera un petit peu plus féminine. Et puis on va bien sûr faire Bonne Fête Maman, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Et je vais donc travailler cette fois avec la collection Bien chez soi que je vous montre tout de suite. Et donc cette deuxième version, donc Bien chez soi, la voici. Vous avez le papier imprimé sous les yeux. Toujours le même principe, hein, il fonctionne deux par deux, les petites vignettes. Ça vous donne un aperçu global de la collection, bien sûr. Et encore une fois, je vais combiner donc ce papier avec d'autres produits différents. Donc, dans un premier temps, ça va être le set de tampons à l'honneur que j'aime vraiment beaucoup parce que du coup, il y a beaucoup de sentiments différents
avec en plus des polices d'écriture qui sont différentes aussi, donc ça c'est vraiment l'idéal. On a su du joyeux anniversaire, bonne fête, joyeuse Pâques, fête des pères, fête des mères également, des remerciements, des félicitations. Donc vraiment c'est un set de tampons qui est hyper complet. C'est vraiment un des sets de tampons qu'on doit forcément avoir lorsqu'on fait du scrap et de la carterie, puisque du coup la gamme est quand même assez large. Donc comme je vous l'ai dit, je vais partir sur une carte fête des mères. Donc je vais bien sûr utiliser ce sentiment. Et pour la petite étiquette, je vais utiliser la petite étiquette qui se trouve dans les poinçons hirondelles. Et là, on a un poisson d'une très très jolie étiquette et le sentiment, il tombe pile poil dedans. Donc ça devrait être assez sympa de pouvoir le mettre en remplacement ici. Là, j'avais utilisé la perforatrice timbre. Et là, du coup, donc, ça sera cette étiquette-là. Je pense que l'ensemble devrait être assez joli. Et la base de ma boîte, elle, va être dans la couleur Frésia en fleurs, qui est coordonnée à la collection et au papier que j'ai choisi d'utiliser. Voilà, vous savez ce que je vais utiliser. Maintenant, c'est parti pour les mesures et la création de cette petite boîte. Alors, c'est parti pour le petit rappel de la liste du matériel. Il vous faut un morceau de papier uni qui mesure 25,5 par 19,5. Ça va être la base de la boîte. Ensuite, en ce qui concerne les papiers design, il vous faut 3 morceaux de papier design de 6,5 par 6,5. Donc 3 morceaux. Je vais vous le montrer. Hop. Voilà. Ensuite, il vous faut 2 autres morceaux de 6,5 par 4 cm. Ces deux morceaux-là sont amenés à être coupés en diagonale, vous allez voir, par rapport au triangle qu'on va construire sur la boîte. D'accord? Donc c'est pour ça que j'avais conseillé de prendre du papier design qui n'a pas forcément de sens par rapport à ces motifs. Il vous faut 2 autres morceaux de 5,7 par 3 cm. Excusez-moi, petite erreur, ce n'est pas ceux-ci qui vont être coupés en diagonale, mais bien ceux-ci. Donc 5,7 par 3 cm, il en faut 2. C'est donc ceux-ci qui vont être coupés en diagonale. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Et il vous faut un autre morceau de papier design qui lui va être destiné, en fait, donc il n'y a pas forcément de mesure, à découper 2 triangles équilatéraux, c'est-à-dire, petit rappel des cours de l'école primaire, nous allons donc réaliser 2 triangles ayant les 3 côtés égaux, et en l'occurrence, ils vont mesurer 6,5 cm. Donc là, on va utiliser très rapidement notre compas pour réaliser donc ces fameux triangles. Alors, tout d'abord, nous allons démarrer la construction de la base de la boîte. Donc nous prenons le morceau de papier uni et nous venons donc marquer différents plis. Sur le pli donc le plus long, nous allons marquer un premier pli à 7 cm, puis à 14 cm. Et pour terminer, à 21 cm. Donc là, on se retrouve avec 4 parties, d'accord? Donc je vais retourner mon papier avec le bord court en haut et avec ma petite bande la plus courte également vers le haut, d'accord? On va toujours la laisser dans ce sens-là, même par rapport aux coupes pour que je vous montre dans quel sens tout poser. Vous allez voir, donc la plus petite bande sur le haut. Et en fait, là, on vient marquer 2 nouveaux plis. Le premier à 6,2 et le deuxième à 13,2. Voilà. Donc ça pour le papier uni, c'est bon. Je reprendrai mon coupe-papier un petit peu plus tard pour venir couper mes petits rectangles en diagonale. Hop, mais ça, on le fera après. Alors,
Donc, je vais vérifier mon zoom encore une fois, il est un petit peu pénible. Donc, nous avons maintenant des rectangles, des carrés qui se trouvent donc sur cette feuille. Ce qu'il va falloir faire, je prends mon crayon. Donc, nous avons différentes bandes ici. Je vous rappelle, on a la partie la plus courte qui se trouve être en haut. Nous allons nous séparer de ce rectangle en haut à droite et de celui juste en dessous. De même, le premier rectangle en haut à gauche, nous allons le retirer et celui juste en dessous également. Je vais vous rapprocher le papier juste après. Et le dernier, les deux derniers du bas aux extrémités, nous allons nous en séparer également. Ok, voilà déjà la première chose. Si je remonte, voilà, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc les deux rectangles aux extrémités, on les coupe. Celui d'en dessous et là également, ils vont tomber. Le troisième reste en place. Et le dernier du bas, à gauche et à droite, ceux-là, nous allons les retirer. Avant cela, je vais retourner mon papier dans ce sens-là pour que ce soit plus pratique pour moi. Et donc sur les deux carrés des extrémités, là, le troisième qu'on a décidé de garder, nous allons venir faire simplement une petite marque au centre, donc à 3,5, donc sur celui-ci et sur celui-là, donc une marque à la moitié, donc à 3,5. D'accord? Ça va nous permettre de venir tracer des diagonales, d'accord, pour donner le côté triangle, encore une fois, à la boîte. Donc, je viens tracer. Donc, je vais bien sûr à la pointe de tout ça. Hop, je trace ma première diagonale ici. Hop, et en fait, au final, hein, vous allez vous retrouver avec donc un triangle au sein de cette petite bande. D'accord? Alors, si je zoome un peu. Donc j'ai celui-là qui va tomber. Donc la diagonale vient de la ligne de pli verticale ici jusqu'à la marque et idem ici. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous en avez probablement l'habitude. Vous avez, alors donc du coup là c'est déjà publié sur mon blog, la fiche technique avec le schéma qui vous explique tout. Donc vous aurez les marques de pli, les coupes, etc. Donc pas d'inquiétude. Ok. Je fais pareil sur celui d'en face. Donc j'ai fait ma petite marque, je me pointe dessus et je viens donc dessiner ma diagonale. Donc la première et la seconde, donc pour construire un triangle. Voilà. Donc sur la base de cette boîte, j'ai les deux rectangles, les carrés des extrémités qui vont tomber, les deux carrés des extrémités qui vont tomber, et on a donc nos diagonales qui sont tracées sur la troisième ligne en partant du haut. Ok, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir donc couper ces fameux morceaux. Voilà à quoi votre morceau de papier doit ressembler. J'ai toujours ma petite bande la plus courte, voilà, qui est sur le haut. Mes triangles ici aux extrémités à gauche et à droite. D'accord? Et un carré qui me reste ici. Pour délimiter tout ça, maintenant on va s'occuper de la découpe des papiers design. Donc je mets ma base de côté et je vais prendre donc les deux rectangles qui vont être coupés en diagonale. Donc là, je vais m'occuper donc des morceaux qui mesurent 5,7 par 3 cm. Je reprends mon coupe-papier. Voilà. Et je viens donc couper en diagonale ces fameux papiers design. On n'oublie pas de positionner la lame dans le papier, puisque vous le savez, quand on a des pointes à couper, si on démarre
par la pointe au risque de rentrer le papier et de l'abîmer. Donc hop et hop, comme ça on est sûr de couper la pointe proprement. Voilà, et je fais de même avec le deuxième morceau. Ici, on cale bien les pointes dans la rainure du coupe-papier. Tac et tac. Voilà, on se retrouve avec quatre petits triangles et je vais vous montrer juste après où est-ce qu'on va les positionner. Mais d'abord, nous allons créer nos deux triangles équilatéraux. Pour cela, je prends un morceau de papier design, vous prenez celui qui vous plaît. D'accord, je vais prendre celui-ci. Pas de mesure obligatoire à la base, c'est là pour la construction qu'on a besoin de mesures. Donc, pardon, je prends ma petite règle, je prends mon compas et mon crayon. Je viens donc, j'ai dit que mon triangle mesurait 6,5. Donc ici je fais une première marque à 6,5 et une deuxième à 13 puisque j'ai besoin donc de deux triangles, 6,5 et 13. Une fois que c'est fait, je prends mon compas, je reprends la mesure donc de 6,5 cm. Hop, alors je vais me mettre ailleurs. Voilà. Donc, j'aimais déjà pas ça à l'école, le compas. Voilà, là j'ai mon écart de 6,5. Donc, je me place à la première marque que j'ai faite. Voilà, je viens tracer un arc de cercle. Je me place à la pointe gauche de mon triangle. Voilà, donc là je ne vais plus avoir qu'à rejoindre. Et je fais la même chose avec le deuxième triangle. Je me place à la marque, je fais un arc de cercle, je me replace à la première marque, et voilà. Je peux reprendre ma petite règle et tracer mon triangle équilatéral avant de venir le couper. Toc. Voilà, tout simplement. Et du coup, je me retrouve bien avec deux triangles qui ont les trois côtés égaux, c'est-à-dire à 6,5 cm. Voilà. Et voilà, maintenant je n'ai plus qu'à les couper et je vais vous montrer où placer tous les morceaux de papier. Alors, voilà mes deux triangles équilatéraux. N'oublie pas de gommer les petits traits s'ils sont toujours présents. Toc, voilà, donc j'ai tous mes petits triangles. Je reprends donc mes deux morceaux de 6,5 par 4 qui eux vont être posés en entier et mes trois carrés de 6,5 par 6,5. Et là, je vais vous montrer où il faut les coller. Alors, là, je suis donc sur la face avant de ma boîte, d'accord? C'est-à-dire que je vais retourner pour refermer tout ça, ça viendra comme ceci. Ok? Alors, petite chose avant de poser donc nos papiers design. Nous allons devoir ajouter des petits aimants pour que la boîte soit encore mieux fermée. Selon la polarité de vos aimants, le positionnement peut changer. D'accord? Tels qu'ils sont les miens, de toute façon, par principe, ça sera sur le carré du bas et sur la petite bande ici. À l'intérieur ou à l'extérieur, tout va dépendre donc de la polarité de vos aimants. D'accord? Donc ça, il va falloir les poser avant de venir poser le papier design. En l'occurrence, les miens, donc, il y en a un qui va venir donc ici, ça sera l'avant de ma boîte. Si je reprends la boîte de base, ce carré-là, mon aimant est sur l'avant ici, pas à l'intérieur mais sur l'avant, d'accord? Le second sera posé sur la petite languette. Alors, toc, voilà, donc je vais utiliser mes glue dots, hop, et je reviens tout de suite pour vous montrer la pose des papiers design. Alors, mon aimant est bien posé ici, donc sur l'avant de ma boîte,
Toc, je retourne. Et quand ma boîte se fermera, vous voyez, j'ai la petite languette ici. Voilà, ça va se rabattre et ça sera ici. Et comme je vous disais, selon la polarité de vos aimants, peut-être que votre aimant devra se positionner sur le dessus et non pas à l'intérieur, mais ça vous verrez avec vos aimants, bien sûr. Donc, je retourne mon papier, je suis bien sur l'avant de la boîte, vous voyez, je vous remontre, elle se retourne. Ici, j'ai l'intérieur, les triangles rentrent, hop, et ça se rabat comme ceci. D'accord? Donc je réouvre, je retourne, hop, voilà. Ça, c'est bien la face avant de la boîte. Donc quand la boîte est ainsi, c'est là où il y a l'aimant, c'est ce morceau-là. Donc, ici, il nous faut un morceau de papier design. Donc en l'occurrence, un carré, hop, qui mesure 6,5 par 6,5. Donc là, ma fleur a vraiment un motif, donc je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà, c'est aussi pour ça que je vous ai dit, faites attention à ce qu'il n'y ait pas forcément de sens dans les motifs. Donc je viens ici, cacher l'aimant. Voilà, hop. Ok, donc ça sera bien l'avant, c'est parfait. Ensuite, je viens vous montrer où positionner nos fameux triangles équilatéraux. Vous l'aurez remarqué, ils viennent à gauche et à droite ici. Jusque là, c'est toujours très simple. Le reste va suivre aussi d'ailleurs, hein, pas d'inquiétude. Alors, hop, je viens coller. Ici et le second ici. Voilà, comme ceci. Ensuite vont venir les autres petits triangles. Hop. Et ceux-là, en fait, nous allons en mettre uniquement ici en haut. Hop. Et ici. Alors, j'ai encore pas pris le bon sens. Et là. Il faut juste que je modifie mes motifs, puisque ce n'était pas tout à fait cela que je voulais, mais c'est pas grave. Hop, vous aurez compris le principe. Hop, ils vont ici et là, mais juste sur les triangles du haut, pas sur ceux du bas. D'accord ? Mes deux triangles sont collés, je retourne mon papier et je viens donc poser les deux autres triangles, pareil, uniquement sur celui du haut, pas sur celui du bas. En fait, tout simplement, celui du bas va servir à assembler la boîte avec cette partie-là. D'accord ? On viendra mettre de la colle ici. Donc c'est la raison pour laquelle on ne décore que deux triangles sur quatre. Voilà, et pareil pour ici. Toc. Je reviens donc sur la face avant, d'accord? Je vais venir ici coller un des morceaux qui mesure 6,5 par 4 et je vais lui coller son petit frère derrière, qui pour moi viendra cacher mon aimant. Ok, donc ça va comme ceci. Et il reste bien sûr deux morceaux de papier en 6,5 par 6,5. Donc je vais coller cela déjà et je vous montre ensuite où nous allons les placer. Donc je viens positionner celui-ci. Hop, je retourne. Voilà.
Ensuite, donc ça va donner, vous voyez, on a déjà un bel aperçu. Voilà à peu près ce que ça va donner. Donc il nous reste un morceau ici de papier design à mettre. Donc là, je vais faire le choix de mettre, oui, celui-ci. Ok. Hop, donc si j'ouvre ma boîte, on est encore sur la face avant. Donc celui-ci. Je retourne mon papier et je viens positionner le dernier. Ici, on a la languette de rabat, le deuxième carré, le troisième, le quatrième. Donc, c'est bien au niveau du deuxième que je viens le coller. Voilà. Comme la boîte s'ouvre à ce niveau-là, du coup, ça permet que ce soit un petit peu plus joli. Voilà. Donc, maintenant, nous n'avons plus qu'à assembler tout ça. Et ce que je vous disais donc tout à l'heure, c'est que ces fameux deux triangles à gauche et à droite qui n'ont pas de papier design vont servir en fait à assembler la boîte. Donc, on va les faire se rejoindre avec le carré avant. Donc, double face ou colle au choix. Tout ce qui compte, c'est d'avoir bien marqué les plis et ensuite de coller tout ça bien droit, bien aligné. Voilà, comme ceci. Et on fait pareil avec le second côté. Voilà, comme ceci. Et on aligne tout ça. Voilà. Et du coup, les triangles ici, vous avez vu, ça fait un côté très sympa. D'accord? Pour rentrer quelque chose, un petit cadeau, des petites sucreries. Hop, et avec notre aimant, pouf, ça tient tout seul parfaitement. Du coup, on a une très jolie boîte qui change un petit peu des boîtes rectangulaires et carrées. Il me manque bien sûr mon sentiment à mettre par-dessus. Donc, je vous en ai parlé au début. Bonne fête, maman chérie. Vous avez vu, ça donne super bien. Ça tient parfaitement sur la petite étiquette. J'en ai coupé une deuxième en fraisière en fleurs que je vais venir coller en superposition. Et je viendrai juste découper un petit peu ce qui déborde ici. Voilà, parce que du coup, ça ne sera pas très esthétique. Donc, je viens en coller ça. Hop. Ça va faire un petit contour très joli. Voilà, j'essaye de centrer. Nickel. Hop. Et du coup, je vais couper les petits bouts là fraisia. C'est vraiment un minuscule bout, hein. C'est pour chipoter. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ça aurait bougé? Non. Nickel. Je prends mes dimensionnels pour coller ma petite étiquette. Donc je vais la positionner juste ici au bord. Ça fait très joli. Donc je vais mettre juste les dimensionnels sur le haut. Vraiment tout en haut. Voilà. Toc. Et je viens centrer ma petite
étiquette sur ma jolie boîte. Voilà, ça fait très joli, j'aime beaucoup. Et voilà, du coup, ça y est, on a notre deuxième boîte prisme ou triangle auquel on peut faire un petit cadeau. Voilà, donc je vous remontre la première version beaucoup plus punchy et peut-être masculine avec la collection Fan des sports et la seconde avec Bien chez soi, coordonnée avec le set de tampons à l'honneur, vous rappelez avec les sentiments, et la découpe de l'étiquette qui est dans les hirondelles. Donc voilà pour les deux versions de ces petites boîtes. Alors voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que vous avez pris ou que vous prendrez du plaisir à réaliser ces petites boîtes si vous le faites en replay. L'avantage, c'est que grâce à YouTube, vous pouvez visionner, revisionner la vidéo, vous pouvez mettre pause, vous pouvez augmenter le son, vous pouvez le couper aussi complètement. Voilà, vous avez plein d'avantages, prenez votre temps. Sur YouTube, dans la barre d'infos juste en bas, vous avez plein de liens, et notamment le lien vers l'article de blog où vous allez retrouver tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser ces petites boîtes. Il s'agit donc de la vidéo que vous avez déjà sous les yeux, mais également la fiche technique où vous retrouverez les schémas, bien sûr, et toutes les mesures qui correspondent à ces deux petites boîtes, et puis vous aurez aussi la liste de tous les produits Stampin' Up que j'aurai utilisés aujourd'hui pour ces deux versions, donc de petites boîtes Fête des mères et Fête des pères. Voilà, vraiment vous aurez le package complet, donc n'hésitez pas à vous y référer. La fiche technique et la fiche des produits sont toutes les deux téléchargeables, donc vous pouvez bien sûr les récupérer avec grand plaisir. Si vous réalisez ces petites boîtes, je me ferai un plaisir de les voir. Donc n'hésitez pas à les partager sur vos réseaux, par exemple, et d'inclure bien sûr le hashtag HarmonyScrap. C'est une façon pour moi d'être notifiée, de recevoir une petite info de Facebook pour me dire ah, quelqu'un vous a mentionné et à partager quelque chose avec vous. Voilà. Et en plus, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner aussi à ma chaîne, puisque ici vous retrouverez tous les replays, mais aussi la nouveauté, les reels aussi, les shorts que je partage, les petites vidéos tutoriels d'une minute que vous retrouvez chaque vendredi. Voilà, c'est une petite nouveauté de ces dernières semaines. N'hésitez pas à aller dans la playlist de la vidéo, la playlist de la chaîne YouTube Inspiration du week-end et vous retrouverez les précédents tutoriels. Voilà, le code hôtesse que vous trouvez actuellement sur cette vidéo évidemment est du mois de mars puisque c'est une vidéo que j'ai préparée au mois de mars. Bien sûr, vous retrouverez le code hôtesse d'avril sur mon blog harmoniescrap.fr. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi, surtout prenez bien soin de vous. Restez attentifs à mes futures publications. Bientôt, vous serez informés des kits échantillons pour le catalogue annuel et bien sûr pour le club Incolore 2022-2024 qui arrive très très prochainement. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!